Ik denk dat er in het naschoolse wel een mooi aanbod is. Een van de grootste daar is Coder Dojo, waar ik zelf ook vrijwilliger ben. Coder Dojo is een mouvement mondial. Er zijn ongeveer 2000 dojos in het monde. Ils sont présents dans une centaine de pays. Et en Belgique, on a 140 dojos pour notre petit pays. On en a 9 pour le moment sur Bruxelles et il y en a quelques-uns qui se mettent en route. C'est assez dynamique. On a une grave pénurie d'informaticiens dans nos industries. On doit outsourcer dans d'autres pays pour essayer de trouver des personnes qualifiées, ce qui est très problématique pour beaucoup d'entreprises belges. Apprendre à coder, c'est apprendre à penser. Le numérique est omniprésent partout. Ces enfants qui viennent dans les dojos, on a toujours l'impression que cette génération est née avec l'informatique dans les mains, mais c'est vraiment aussi un stéréotype qui est pas juste. Ja, wij gaan zelf al van start vanaf de kleutertjes. Wat je daar natuurlijk doet, is beperkter en is meer wat ze computationeel denken noemen. Is niet altijd de één-op-één link naar programmeren, waar dat de kinderen achter een scherm zitten en echt een programma maken, voor sommige dingen wel. Maar is meer het logisch denken. En die kunnen ze al van heel kleins af aan leren, om dan altijd makkelijker een stapje verder te gaan en de link te kunnen leggen met wat er ervoor al gezegd is en om zo sneller die andere dingen op te pikken. Oui, plus qu'il n'y paraît en fait à premier abord, c'est-à-dire que quand on imagine le code dans l'imaginaire collectif, c'est directement Matrix, c'est des lignes de code vert sur fond d'un vieil écran noir, et alors qu'actuellement c'est plus du tout ça. Et donc c'est vraiment très très intéressant parce que les enfants intuitivement comprennent très très vite ces principes, et on peut, dans un deuxième temps, les emmener vers des notions de boucle, de répétition, de conditions multiples. Et alors à partir de là, évidemment, le champ d'investigation s'élargit et devient quasiment illimité. On y va, mais le chemin est encore long. Donc il faudra encore quelques années avant que les élèves puissent bénéficier de la maternelle jusqu'à 6e secondaire, de cours ou de morceaux de cours qui les initient aux compétences numériques. Dat is wat wij dagelijks doen. Wij geven workshops, dus wij gaan naar de klas, wij hebben al het materiaal bij. Er is ook iemand van ons die de workshop geeft. Dus in principe is er voor de school geen werk aan. Zij moeten ons alleen de tijd en de ruimte geven en wij geven de workshop. En dan kan dat op verschillende manieren verder gaan. En wij hopen altijd dat de leerkracht het dan ook oppikt, kijkt van ah, de kinderen gaan er goed mee om, die kunnen dat goed, die vinden dat leuk. Wij gaan dat hier als school ook verder zetten.